En 1943, un scientifique, Kurt Michel, fait une vidéo accélérée de chromosomes. Cette vidéo fut historique pour les scientifiques. Et depuis, en accélérant le temps, il devient possible d'observer beaucoup de choses. Ici, nous avons une vidéo d'un haricot qui pousse. L'intervalle entre chaque photo est de 9 minutes. Tout ce qui est invisible à l'œil nu devient évident grâce à un timelapse. Ici, nous avons la construction de la Freedom Tower à New York. Filmer un timelapse avec une caméra est simple. On filme, on accélère, mais le résultat est peu satisfaisant. De plus, si l'accéléré est important, il est inutile de filmer 25 images par seconde pendant plusieurs heures. Cela fait trop de vidéos à traiter, donc on va utiliser des photos. Jusqu'aux années 2000, on utilisait encore de la photo argentique. On prenait une pellicule, on pouvait prendre jusqu'à 36 poses. 36 poses, pour un timelapse, c'est pas énorme. De plus, il fallait ouvrir le boîtier, changer la pellicule, donc bouger l'appareil. C'est juste impensable de nos jours. Et le traitement de chaque photo était très coûteux. On comprend pourquoi ce genre d'activité était réservé à des professionnels avec du matériel extrêmement sophistiqué. Mais cela a changé vers les années 2010 avec la photographie numérique. Aujourd'hui, sur une simple carte mémoire de 20 €, on peut stocker des milliers de photos. Vérifie que notre prise de vue est correcte, que les réglages sont optimisés. L'appareil peut également être synchronisé avec des dispositifs de travelling ou de panoramique afin de rendre le plan plus dynamique. Tout cela est bien sûr pilotable depuis un smartphone. C'est assez simple et extrêmement convivial. Cela permet de faire des choses qui étaient impensables il y a encore 20 ans. Dès lors, faire un timelapse devient assez facile. Vous sortez avec votre appareil photo, vous le mettez sur un rail comme ici, en hiver. Si jamais la séquence est ratée, vos 500 photos, vous les jetez, vous les effacez et vous recommencez. Évidemment, en photo argentique, 500 photos, ça fait 41 pellicules, c'est pas très facile de jeter tout ça. Le timelapse en photographie numérique, ça reste assez technique. Il faut avoir des connaissances en photographie, en météorologie, si on veut prendre la nature, en astronomie, si vous voulez prendre les étoiles. Mais une fois que vous avez fait une séquence, le résultat est souvent extraordinaire. Il suffit de rentrer chez vous, mettre toutes ces photos sur un ordinateur pour commencer à les travailler. Ça y est, je viens de récupérer toutes mes photos sur mon ordinateur. Il y a quelques instants, j'ai été au bord de l'étang et j'ai pris 401 photos. Ces photos ont été enregistrées sur une petite carte mémoire que j'ai insérée dans l'ordinateur et je viens de les importer dans l'ordinateur grâce au logiciel Lightroom. Alors je vais essayer maintenant de corriger cette photo. Alors sans rentrer trop dans les détails, je vais utiliser sur la droite du logiciel, je vais utiliser tous les petits boutons qui sont à ma disposition pour pouvoir optimiser ma photo. Dans un premier temps, je vais demander à l'ordinateur de me faire un réglage automatique. Alors, la photo était assez sombre au départ, ce qui est assez logique car le ciel occupe une grande partie de l'image et donc pour bien exposer le ciel, il choisit de sous-exposer un peu le sol. Là je remets le réglage d'origine, si je refais automatique, voilà, il va m'éclaircir tout ça, ce qui est plutôt bien. Mais ce réglage par exemple concerne la totalité de l'image. On va voir qu'il y a beaucoup de réglages qui n'agissent que sur des éléments bien précis. Alors l'exposition, on va la laisser un peu comme ça, on va un tout petit peu éclaircir. Le contraste, ce qui me permet d'atténuer les blancs, de renforcer les noirs, etc. Enfin, d'augmenter les blancs et d'accentuer les noirs. Moi, je vais donner un petit peu plus de contraste. Je vais aller par là. Voilà. Les hautes lumières. Le ciel, soit je le mets tout blanc, donc j'ai aucun détail dans le ciel, ce qui est embêtant. Mais là, cette partie, ce réglage, ne va agir que sur la partie claire de l'image, en l'occurrence le ciel. Donc là, je vais donner un peu plus de détails dans le ciel, on va mieux voir le ciel bleu et les nuages en faisant ça. A l'inverse, ici je ne corrige que les ombres, donc que les parties sombres de la photo. Donc je vais pouvoir ici, en augmentant ici, voilà, je vais pouvoir éclaircir le sol. Voilà, je vais pouvoir affiner tous ces réglages, donc en utilisant le réglage blanc ici et le noir. Voilà, je vais éclaircir un peu ça pour donner plus de clarté à l'image.
Et maintenant, je vais utiliser la clarté. Là, la clarté, ça va être un réglage assez fantastique dans la mesure où, dans ce sens-là, je vais avoir un voile. Bon, c'est pas trop ce que je recherche, mais dans l'autre sens, je vais pouvoir dramatiser un peu la photo, mais sans exagérer, bien sûr. Voilà, je vais plutôt aller dans ces valeurs-là, et je vais rajouter de la vibrance qui va me donner plus de couleurs. En l'occurrence, le ciel va être un peu mieux éclairé, un peu plus bleu. Voilà. Et la saturation, je ne vais pas exagérer parce que si j'exagère, j'ai des couleurs voilà, soit monochrome, soit je suis complètement irréaliste. Donc on va pas trop insister. Voilà, ça commence à être un peu mieux. Je vais pouvoir toucher aux hautes lumières. Donc voilà, cette fois-ci, je continue de corriger mon ciel, corriger l'équilibre de ma photo en agissant sur ces différents réglages. Voilà. Et je suis pas obligé de toucher à tout en permanence, mais voilà, ici voilà. Des réglages très intéressants ici, c'est les réglages de couleurs. Je vais toucher uniquement aux couleurs. Le rouge, il n'y en a pas beaucoup dans cette photo, mais par exemple l'orange, on voit que les feuilles et les arbres au fond sont impactés par ce réglage. Donc moi je vais choisir de pousser un petit peu, donner plus de valeur au orange. C'est pareil pour le jaune, j'ai du jaune dans la photo. On voit que le jaune. Voilà, on est en automne donc il y a un petit peu de jaune. C'est plutôt joli. Je pousse un peu le jaune. Et le vert, je peux choisir d'effacer pratiquement la pelouse ou au contraire la renforcer. Moi, je ne cherche pas à rendre l'image trop artificielle, mais je vais diminuer un petit peu le vert pour favoriser un petit peu la couleur des feuilles. Et au niveau du ciel, je vais pouvoir, sans exagérer, encore une fois, donner une petite teinte bleutée au ciel que je n'avais pas trop à l'origine. Voilà, on va pouvoir aller dans ces valeurs-là. Après, je peux insister sur le réglage de la netteté. J'ai un petit peu de grain dans l'image. Si je zoome un petit peu dedans, je vais voir un petit peu d'endroits où l'image est un petit peu bruitée, c'est-à-dire qu'il y a des petits grains. Je vais pouvoir atténuer ça. Voilà, sans exagérer. Je veux donner de la netteté dans l'image, mais je veux pas avoir de grain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer un petit peu ça. Voilà. Donc là, j'ai diminué un petit peu la valeur. J'ai pas trop de grain de toute façon. Là, j'ai une image qui est extrêmement zoomée. Mon image est particulièrement grande, donc là, ici, ça me dérange pas. Je vais pouvoir activer le profil de correction. Le logiciel connaît l'objectif qui a été utilisé pour cette photo. C'est un 14 mm Canon. Et en activant cette fonction, il va pouvoir corriger les défauts de l'objectif. En corrigeant le vignettage, c'est-à-dire éclaircir un petit peu les côtés. Mais déforme un petit peu l'image pour se rapprocher de la réalité. Et puis je peux aussi supprimer l'aberration chromatique. Alors l'aberration chromatique, c'est un défaut qu'on voit entre les hautes lumières, c'est-à-dire le ciel et la branche d'arbre. Ici par exemple, on voit que l'objectif, en tout cas l'appareil photo, crée un défaut qui s'appelle l'aberration chromatique. C'est cette ligne violette qu'on voit apparaître sur le bord de la branche. Cette ligne violette est un défaut, c'est l'aberration chromatique que je vais pouvoir supprimer en activant cette fonction. Voilà, la ligne violette a disparu. Si je la remets, on voit que voilà, ça apparaît sur la totalité de l'image, évidemment. Donc j'ai pu supprimer cette aberration chromatique. Pouvoir faire une chose aussi, c'est de mettre un petit peu de vignettage. Voilà, que j'aime bien. Voilà, donc je vais pouvoir. Alors, je vais pas faire du blanc, je vais plutôt faire du noir. Mais donner. C'est comme si je forçais les personnes à regarder le centre de l'image. Ouais, mais j'aime bien. Et je vais rajouter un petit masque. Un petit masque, c'est simplement sur la partie haute de la photo, dans le ciel. Je vais, comme si j'avais mis un filtre sur l'objectif, dire au logiciel, bah, assombris-moi un petit peu le haut du ciel. Voilà. Alors, je peux choisir plein de choses. Hein. Je peux choisir de changer la température, rajouter, voilà, donner un effet un petit peu comme ça. Je peux changer beaucoup de choses. Moi, je vais pas trop toucher à ça. Je vais essayer de rester assez neutre et assez naturel, sans insister. Voilà, si je fais ça. Voilà. Voilà. Et ben, je crois que c'est fini. Je vais pouvoir maintenant comparer la différence entre mon image d'origine et mon image traitée. C'est pas tout à fait la même image, mais ça me permet de maintenant pouvoir exporter toutes ces photos. En tout cas, je vais sélectionner toutes mes images et je vais
demander au logiciel, voilà, d'appliquer tous les réglages que je viens de changer, de les appliquer à toutes les photos. Alors c'est ce qu'il est en train de faire. Une fois que mes photos seront toutes auront toutes le même réglage, je vais pouvoir les exporter en créer un fichier vidéo pour faire le film. Une fois que nous avons fait l'image, il ne reste plus qu'à travailler la bande son et donc la musique. Alors évidemment, la solution de facilité, c'est d'aller sur internet, essayer de prendre une musique, d'en payer les droits évidemment, parce que la composition n'est pas un travail facile. Et la musique gratuite et de qualité n'existe pas. Donc je me suis lancé comme défi pour ce projet de travailler aussi bien l'image que la musique. Me voici devant Logic Pro 10, un logiciel de composition musicale et d'enregistrement audio multipiste. Et c'est ce logiciel qui m'a permis de composer la musique de cette vidéo. Nous sommes devant les différents instruments de musique qui composent ce morceau. Alors on voit pas tous les instruments. Chaque ligne correspond à un instrument de musique. Les synthétiseurs par exemple ici, on voit pas tout le morceau. Il suffit que je clique là-dessus pour voir l'intégralité des pistes qui composent le morceau. Chaque ligne correspond donc à un instrument de musique et on voit les parties violettes et roses. Ça correspond à tout ce qui est percussion. Les lignes vertes sont des claviers, synthétiseurs, orgue. Les lignes orange-rouge, c'est tout ce qui est cordes, violon, violoncelle. Et les parties bleues correspondent à tous les cuivres et les bois. Les deux lignes en bas, là, les 45-46, sont les chœurs masculins, chœurs féminins, donc on voit que le morceau comporte 46 pistes. Même s'il y a une piste, par exemple la piste guitare ici, que je n'ai pas utilisée au final, parce que ça ne me convenait pas. On va mettre le morceau en lecture. Donc on peut apercevoir les différentes pistes. Donc on peut apercevoir les différents réglages de cette piste. Le volume, ici, plus ou moins fort. Voilà, le panoramique qui me permet d'envoyer le son à gauche ou à droite. Et la touche solo ici, qui est importante parce que elle va m'isoler cet instrument parmi tous les autres. Si je veux faire des réglages un peu plus précis, si je l'entends pas très bien cet instrument, je l'isole. Ça va me permettre de faire des réglages un peu plus poussés. Et ici la touche mute, tout simplement la touche qui va me permettre de rendre l'instrument muet. Alors je pourrais utiliser le curseur, mais si des fois je baisse le curseur et que je le remonte et je le remonte pas au même niveau, enfin c'est un peu embêtant. Je préfère utiliser la touche mute. Voilà. Chaque piste donc a ses réglages qu'on peut apercevoir même de façon un peu plus précise sur cette vue là. Je retrouve ma piste ici avec mon réglage de panoramique. Et je peux voir mon réglage de grave aigu. Par exemple, hop, on va aller là. On va pas prendre cette piste là, on va prendre celle-là. Voilà. Ici j'ai des synthés avec un réglage de d'equalizer qui est ici. Voilà. Donc on voit mon son et je peux très bien changer les graves et les aigus sur ces sons-là. Par exemple, ici là. J'y vais un peu fort. Je peux rajouter des graves, les enlever, ou rajouter des aigus, et les enlever sur cette piste. Et envoyer ce son-là dans une reverb ou un délai. Ici, par exemple, j'ai un délai. Ici, j'ai une réverbération. Donc je peux faire un petit peu ce que je veux, rajouter autant d'éléments que je veux, distorsion, filtre, etc. Je peux faire vraiment ce que je veux sur mes pistes, c'est assez pratique. Alors il faut savoir que la façon dont a été enregistré ce morceau, c'est en utilisant des notes MIDI. C'est-à-dire que chaque note que vous voyez apparaître, je vais prendre l'exemple de ce violoncelle, chaque note que vous voyez apparaître ici,
Je clique dessus pour mieux l'entendre. Voilà, c'est une note MIDI, c'est-à-dire que avec un petit clavier, j'ai enregistré une note que l'ordinateur affiche ici, et l'ordinateur, lui, va décider d'affecter cette note à un son. Alors, sur le violoncelle, hop, j'ai affecté cet instrument, ça s'appelle un plugin, cet instrument fait partie du logiciel, et en mémoire, il a plusieurs sons, il a des banques de sons, notamment des sons de cordes. Là, ici, on voit tous mes sons qui sont classés. Donc, dans orchestral, par exemple, ici, strings, je vois toutes mes cordes qui sont enregistrées dans ce logiciel. Donc, je peux utiliser autant de sons que je veux. Enfin, en tout cas, ceux qui sont mémorisés. Et donc, les affecter à cette note. Cette note, on la voit, elle apparaît en face du clavier qui est ici. Donc, je peux la changer, je peux faire ce que je veux. Voilà, je peux la modifier comme je veux, je peux la raccourcir, je peux la déplacer, je peux la mettre ailleurs. Voilà, et évidemment, je peux annuler tous mes réglages en revenant en arrière. Par exemple, si j'ai décidé d'annuler ce que j'avais prévu de faire, ce qui est assez pratique. Alors, l'enregistrement MIDI, comme vous le voyez, c'est quelque chose d'assez fantastique parce que je peux même copier cette note, par exemple, ici, là, je peux la remettre là aussi. Hop, allons-y, soyons fous. Voilà. Et puis finalement, je décide de l'allumer, de l'effacer, et j'en mets qu'une seule. Voilà. Donc c'est assez pratique, parce que, imaginons l'exemple d'un violoniste qui va venir enregistrer devant un micro, la note qu'il a enregistrée devant mon micro, cette note-là, à part modifier les graves, les aigus, modifier l'attaque, modifier la fin de la note, cette note-là, je pourrais pas y toucher. Pas plus que ça, enfin c'est difficile, je vais perdre un peu de naturel. Ici, je peux, comme je vous ai montré, en faire ce que je veux de la note, et évidemment, chaque instrument, je peux rajouter autant d'instruments que je veux et rajouter autant de notes que je veux, donc c'est super pratique. Grâce à mon logiciel qui contient une banque de sons de qualité, toutes les notes que je vais sortir de mon ordinateur vont être assez jolies. Le gros inconvénient de ce système-là, c'est que c'est une technologie qui utilise des samples, des sons préenregistrés. Évidemment, si ces sons préenregistrés ne sont pas de bonne qualité, mon morceau ne va pas être de bonne qualité. Alors, je peux vous donner l'exemple des cordes qui sont ici. Les sons ici sont d'assez bonne qualité. Il y a toutefois des petites choses sur lesquelles il faut quand même rester prudent, c'est de ne pas utiliser ne pas aller trop loin dans les graves, ne pas aller trop loin dans les aigus, car un violon une note de violon, c'est une note qui a ses propres caractéristiques, et là je vais artificiellement augmenter la note dans les aigus, artificiellement la descendre dans les graves, et ça va commencer à s'entendre. Donc c'est le défaut de la technologie. Le gros avantage, c'est que j'ai pas besoin d'avoir de violoniste chez moi pour enregistrer la note. Je sais pas jouer de violon, donc pour le coup c'est plutôt intéressant. Maintenant, le gros inconvénient, c'est que ça va manquer de naturel, ça risque de manquer, ça risque de sonner un peu trop artificiel. Malgré tout, avec ce logiciel et la banque de sons qu'il contient, je me retrouve à avoir un morceau d'assez bonne qualité. On entend ici les percussions qui sont là, avec le gong et la grosse caisse ici. Voilà, un peu plus loin, j'ai des caisses claires qui vont faire des roulements qui sont ici. Voilà. Si je veux enlever tout ça et entendre que les synthés, voilà, j'entends mes synthés. Et si j'entends mes violons qui sont ici, on en a déjà entendu tout à l'heure.
par exemple. Un peu plus loin, j'ai des violons avec qui donnent un peu plus d'intensité dramatique au morceau. On les entend dans les aigus. Voilà, ici. Voilà. Et tous mes cuivres qui sont là. Voilà. Évidemment, j'ai de plus en plus de notes vers la fin. Ça donne une grosse intensité pour conclure avec des chœurs. Des chœurs. Voilà, derrière. Alors, ce morceau a plusieurs influences. Ici, par exemple, la séquence, qui est typiquement du Jean-Michel Jarre. Un son très reconnaissable. Et ce son, donc ce sont des notes MIDI, voilà, qui sont tout simplement générées par ce plugin, ce logiciel qui est ici. Donc évidemment, tous ces boutons sont des paramètres qui peuvent me faire changer le son. Par exemple, le LFO ici, c'est un filtre. Ce que je veux. Et à part Jean-Michel Jarre, évidemment, c'est l'arrivée des cuivres, tous les instruments avant qui vous pouvez entendre dans les morceaux de Hans Zimmer, qui est un grand compositeur de musique de films, qui a notamment composé les films de David Chicode ou Inception, les films de Interstellar, etc. Un monsieur qui a fait beaucoup beaucoup de films. Et une fois que le morceau est fini, une fois que le morceau a tous les instruments ont été réglés, tous les instruments ont été paramétrés avec des effets, avec des réglages grave aigu, des réglages gauche-droite pour donner un morceau stéréo. On va terminer le mixage en affectant des mouvements de curseur de niveau. C'est-à-dire que cette ligne jaune-là va être une courbe de volume. C'est-à-dire que si je clique sur le... Hop, je fais un petit point, je peux lui donner... Vous voyez le bouton de volume qui bouge ici? Ce bouton de volume, c'est simplement que sur le curseur, là, le volume, je lui demande de bouger. Ça veut dire que si je lis le morceau, on va voir que la courbe qui descend remonte, va bouger ici, et ce curseur-là qui va bouger. Ce que je peux voir également ici. On voit que le curseur ici se met à bouger en fonction de la courbe de volume qui est ici. Ce qui va me permettre de mélanger, on va dire, de façon harmonieuse tous les instruments. Pour arriver à un morceau de musique. Tel que je l'avais conçu à la base. Voilà. Et donc il a fallu un petit peu de temps pour arriver à composer tout le morceau, arriver à enregistrer ça. Une fois que le morceau est terminé, il suffit de l'exporter, de le mettre dans un logiciel de montage vidéo et de le faire correspondre avec les images et les éventuels bruitages. Toutes mes photos ont été transformées en vidéo. Je les assemble maintenant dans un logiciel de montage vidéo sur la musique. J'en profite pour faire un petit réglage de couleur et de lumière, car chaque séquence a été fabriquée à des périodes différentes, donc il se peut que j'accentue un petit peu ou certaines couleurs ou certaines lumières certains jours. Donc pour uniformiser un petit peu tout ça, je vais faire un petit réglage final. J'en profite aussi pour toucher au son.
de débruitage. Je vais essayer de donner une unité à tout ça. Une fois que ce travail est terminé, on va pouvoir profiter du film.